être une femme de plus de 50 ans est un facteur de risque pour développer un cancer du sein. C'est essentiellement ça. On n'a pas individualisé de facteurs de risque accrus, c'est-à-dire on n'a pas individualisé, de, par exemple, comme le tabac et le cancer du poumon ou quelque chose comme ça. C'est être une femme, être dans une famille où il y a beaucoup de cancer du sein et avoir plus de 45 ans, par exemple, est un facteur de risque pour avoir un cancer du sein.